20 meilleures façons de briser la glace. Envoyez. Je lui ai envoyé les 20 meilleures façons de briser la glace lors d'un premier rendez-vous. Les 20 meilleures, tu ne devais pas te limiter à 10. Je sais, mais s'il y a deux fois plus de glace à briser, peut-être qu'il vaut mieux rester seul. Hé, viens voir. Le Cyan Sport d'hiver 820. Tu te l'achètes pour ton week-end à la neige? J'aimerais bien, quoique c'est un peu cher pour le budget d'une assistante comme moi, mais on peut toujours rêver. Tu pourrais t'acheter le 620 avec tout l'équipement qui va avec pour moitié prix. C'est pas une mauvaise idée. On peut peut-être aller faire les boutiques avant le réveillon. Si on arrive à sortir d'ici. J'aimerais vraiment que tu viennes faire du snowboard avec moi ce week-end. C'est ici que j'ai appris à ne plus faire de projet. Chaque fois que je réserve quelque part, Diane me confie une autre mission. J'en sais quelque chose. Tu crois qu'elle a déjà lu ton article? Probablement. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Diane, si vous n'êtes pas disponible, je peux... Non, je suis toujours disponible pour ma rédactrice préférée. Bon, alors voyons. Oh, les 20 meilleures façons de briser la glace lors d'un premier rendez-vous. J'adore le titre. Oui, merci pour le titre. Ne vous sentez pas déconsidérée parce que j'écris les titres à l'avance, Cara. Ça donne au magazine... Une ligne éditoriale cohérente. Oh, oui, vous avez retenu la leçon. C'est intéressant. Ah, mais vous n'êtes pas emballée. Je ne demande qu'à l'être. Mais il faut un peu plus de panache. Je ne sais pas, peut-être en faisant le récit édifiant d'un rendez-vous qui a mal tourné. Ne sous-estimez pas la valeur de vos propres... Rendez-vous cauchemardesque. Point de vue. En tant que célibataire, vous êtes dans la position idéale. En fait, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement. C'est récent. Très récent. Parfait, alors vous avez de la matière. Oui, bien sûr, mais l'ennui, c'est que ça se passe plutôt bien. Et je me disais qu'avec le nouvel an, je pourrais peut-être garder ma vie privée un petit peu plus. Privée? Vous avez demandé à écrire dans la rubrique relations sentimentales, mais si c'est trop compliqué, je peux vous remettre à la rubrique beauté. Non, je vais retravailler mon article. Attendez, Cara, vous ferez ça l'année prochaine. C'est la Saint-Sylvestre, vous devriez sortir faire la fête, les filles. Sérieux? Oui, sérieux, amusez-vous jusqu'au bout de la nuit. Et ensuite, vous retravaillerez votre texte. Bonne année! Oh. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Très belle. Très belle parce que très belle, ou très belle parce qu'on a passé trop de temps à choisir ton snowboard? Oh, bah, ça peut pas être les deux. Oh, on n'arrivera jamais à l'autre bout de la ville avant minuit. Alors pourquoi on va pas à la fête que Jesse donne dans son super appart? Il habite seulement à 2 rues d'ici. Je peux pas aller chez lui, je te l'ai déjà dit. On sort ensemble que depuis 3 semaines. C'est beaucoup trop tôt. L'ancienne Cara, il serait allé sans se faire prier. Exactement. Mais la nouvelle Cara est très prudente, car consciente que les fêtes de fin d'année sont synonymes de folles espérances romantiques. C'est drôle, ça ressemble à un de tes articles. Ouais. Oh, zut. Hé. Hey. C'est quoi, ça? Oh, c'est rien. C'est rien? Mm-hmm. Ça vient de Berkeley. Ta demande d'inscription au cursus de création littéraire est peut-être acceptée. Parle pas trop vite. Mais tu veux pas l'ouvrir? Non, je peux pas. Ouvre-la, toi. Avec plaisir. On dirait que tu vas commencer l'année sous le roulement de tambour et le son des trompettes. Oh, t'es admise. Oh, je suis très heureuse pour toi. Je suis impatiente de l'annoncer à Jessie. Alors allons faire la fête dans son super appart. Allez, en route. J'arrive pas à croire que je suis admise. Moi, je suis pas étonnée. J'ai corrigé les 50 premières pages du roman policier que tu leur as envoyé. Et maintenant, j'ai trop hâte de lire la suite. Wow. Ton vœu va peut-être se réaliser, parce que si j'accepte, je vais devoir me pointer à la fac le 1er février avec 150 pages de plus. Comment ça, si tu acceptes? C'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Il faudrait que je quitte le magazine. Ouh, il est presque minuit. Oh, regarde, là-bas, c'est lui. Oh, super mignon. En y regardant de plus près, il est pas si mignon.
comment ça marche ici? On lit 5 pages et on achète le bouquin? Si c'était le cas, je devrais m'acheter la moitié du rayon roman policier. Cet endroit, c'est ton havre de bonheur. Ouais, aujourd'hui je dirais que je suis venue pour me distraire de mon humeur chagrine. Oh, ça va, ça pourrait être pire. C'est le jour du nouvel an. T'as de nouveaux romans policiers, ta pâtisserie préférée, une bonne tasse de café issue du commerce équitable. Et une meilleure amie qui pense qu'il n'est jamais trop tôt pour se remettre d'une peine de cœur. Écoute, dis-toi que Jesse t'a prouvé plus vite que la normale qu'il n'était pas un homme pour toi. Tu devrais te focaliser sur les trucs super qui t'arrivent en ce moment, genre ton admission à la fac. Je sais pas trop, Megan. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Comment on a fait pour atterrir ici? Eh ben quoi, qu'est-ce qui va pas? On vient de finir notre footing en un temps record. Je voulais en profiter pour t'offrir un succulent jus d'herbe de blé. A, ton jus là, c'est pas un cadeau. B, la prochaine fois, invite-moi à boire un verre dans un endroit qui fait pas aussi librairie. La dernière fois, il a fallu que je t'extirpe d'ici avec une pince de désincarcération. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon petit coin de paradis. 2 jus d'herbe, s'il te plaît. Maintenant que j'y pense, ton jus, c'est pas ta pire idée. Ta pire idée, c'est d'aller faire du snowboard sur la pente abrupte d'un glacier dans les 2 prochains jours. Ouais, ça tombe bien, je voulais t'en parler. Est-ce que ça t'ennuierait qu'on reporte un autre week-end? Non, Ben. J'ai déjà posé mes congés à l'hôpital et le docteur Sean n'accepte plus les annulations. Ah, tu vois, le truc, c'est qu'on me met la pression pour que j'évite les feux des projecteurs en ce moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Rester à la maison à te morfondre? Non, pas à morfondre. À ruminer. Alors rumine plutôt sur un snowboard. En plus, c'est pour une association caritative. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, t'as raison. C'est pour les enfants. Tu sais que mon pote. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter, tu seras pas sous le feu des projecteurs. La station de ski Clara Lake, c'est pas ce qu'il y a de plus branché, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire qu'on a aucune chance de tomber sur quelqu'un qu'on connaît? Ni qu'on connaît, ni qu'on a envie de connaître. Tout ce que je veux te dire, c'est que ton histoire avec Jesse doit pas t'empêcher de réfléchir. Tu devrais peser le pour et pas seulement le contre. C'est ce que je fais, j'ai l'impression qu'aller à la fac, ce serait prendre un gros risque. Pour ça, faudrait que j'abandonne un boulot que la plupart des écrivains rêveraient d'avoir. La plupart des écrivains connaissent rien aux exigences particulières de la rubrique relations sentimentales. C'est une pression énorme. On attend de toi que tu sois continuellement en quête d'une histoire d'amour. C'est vrai, ça prend beaucoup d'énergie. L'énergie dont tu as besoin pour terminer ton roman. Je devrais peut-être prendre du recul. Oui! Changer de perspective. Bien. Faire passer les rencontres au second plan. Exactement. Un quoi? Juste le temps de prendre ma décision. Ouh, Diane va pas être contente. Mais Diane n'aura pas le choix. Oh. Excuse-moi. Allez, viens, Sherlock. Pas de bouquin aujourd'hui. On retourne courir. Depuis quand tu te prends pour mon entraîneur? Depuis aujourd'hui. Bon, on en a fini avec la rubrique beauté et remise en forme. Qu'est-ce qui nous reste? Celle des relations sentimentales. Ah oui. Cara, j'ai adoré les modifs de votre article. Je veux vous mettre sur la nouvelle appli de rencontre. La nouvelle appli de... Ah, eh bien, le problème, c'est que j'ai décidé d'arrêter de faire des rencontres. Je me désintoxique, c'est une de mes résolutions pour la nouvelle année. Donc, vous êtes une rédactrice de la rubrique relations sentimentales qui renonce aux rencontres amoureuses. Oui, je crois que c'est assez bien résumé. Cara, il s'agit de traiter un sujet. J'ai déjà pensé au titre. Les projets de rencontre, c'est parfait pour la nouvelle année. On le met sur le site, on le publie en février. Comment on a fait pour le sujet régime? En 3 parties. Une vendredi, une samedi, une dimanche. Une question. Quand vous dites vendredi, vous parlez de vendredi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre vendredi dans la semaine? Non. Écoutez, Cara, si ça fonctionne aussi bien que je le prévois, dès lundi matin, vous aurez un nouveau statut. Rédactrice en chef. Merci les filles, ce sera tout. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ta cousine devait pas passer te chercher? Elle a la grippe. Notre week-end est annulé. Oh non, tu vas pouvoir te faire rembourser? Je les appelle là, ils m'ont mise en attente, mais j'ai pas trop d'espoir. Ah. Mais essaye quand même d'y aller, tu sais pas quand la prochaine occasion se présentera. Si j'étais toi, je partirais. Pourquoi tu viendrais pas? Ah, Megan, tu sais que j'adorerais y aller, mais je suis coincée avec vous tout ce que j'ai. Vous adoreriez aller où? À la montagne, faire du snowboard avec Megan, sa cousine a annulé et je peux pas... Y aller? Mais pourquoi? Oh, j'ai trop à faire, avec mes 3 articles, dont un à rendre aujourd'hui. Quel intérêt de faire une cure de désintoxication si vous vous terrez entre les 4 murs d'un bureau? L'idée, c'est de vous lancer un défi et une station de sport d'hiver, ça me paraît parfait. J'ai hâte d'être sur la piste. Bonjour. Bonjour. On y est. Merci. Voilà. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que notre chalet n'est pas encore prêt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il fait encore assez jour pour faire quelques descentes. Super. Il suffit d'aller louer ma planche. On y va. Ah, c'est toujours comme ça. Quand on arrive après tout le monde, il reste plus grand-chose.
Je rêve. Le Cyan 920 ? Il est déjà en vente en magasin. Non, il est en démo. J'arrive pas à croire qu'il le loue. Je vais acheter les forfaits, toi tu prends cette planche avant qu'elle te passe sous le nez. Ah, oh, pardon. J'ai l'impression qu'on vise la même planche. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt de la lâcher. Elle est à vous. Du moment que vous savez qu'elle n'est pas faite pour vous. Non, c'est vrai. Et pourquoi donc? Eh bien, le haut de la planche doit tomber entre le nez et le menton. Mais là, dans votre cas, il dépasse presque vos yeux. Sauf si on est une snowboardeuse de haut niveau qui veut glisser à grande vitesse sur la poudreuse. Mais par simple curiosité, pourquoi vous y tenez autant? J'ai déjà utilisé ce modèle. Disons que j'aime bien savoir à quoi m'attendre. Ah, c'est très prudent de la part d'un homme qui s'apprête à tanguer le long d'une montagne. À tanguer? Dégringoler, tomber, avec une voiture comme la vôtre. Vous allez manquer de stabilité. Vous tenez vraiment à vous ridiculiser? Non, je préfère pas, non. Vous m'avez dit que vous vous appeliez comment, déjà? J'ai rien dit. Amusez-vous bien. Oh, mes cuisses n'étaient pas prêtes à encaisser toutes ces bosses. Ah, t'es sûre que c'est bien notre chalet? Il est un peu loin de la réception, non? Ouais, je sais. Un peu comme si celle qu'il avait choisie voulait éviter les appels de sa patronne. Oh, waouh! C'est très joli. Excellent choix. Ouh, de quoi grignoter. Mm-hmm. C'est quoi, ça? Bienvenue, bête, c'est pas pour nous. Tu crois qu'ils ont oublié de faire le ménage? Ouais, on dirait. Attends. Elle est encore fraîche, on n'est pas seul ici. Hé! Hey, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous, vous faites là? Quoi, vous vous connaissez? Bon, il doit y avoir une erreur. Oui, une erreur. La preuve, cet homme est dans notre chalet. Non, j'ai le bon de réservation. Et comme vous pouvez le voir, j'ai loué la moitié d'un chalet. Bah, c'est peut-être le cas pour vous, mais nous, on a pris la peine de réserver la moitié d'un chalet. Ah, j'appelle la réception. Il faut trouver une solution. Allô? Oui, je voudrais savoir si je pouvais réserver un chalet pour deux jeunes femmes qui... Ah, tout est complet? On se comprend pas. On veut pas forcément un chalet. Ça peut être une chambre d'hôtel, une cabane, un placard à balai. Rien? Merci quand même. Eh bien, j'avais prévu d'ouvrir cette bouteille demain, mais on peut peut-être la déboucher maintenant et faire connaissance. Je vous sers un verre, monsieur... Juste, Ben. Je suis pas amateur de vin, mais je veux bien goûter. En revanche, mon ami appréciera. Il adore le cabernet. Votre ami, quel ami? Vous n'êtes pas tout seul ici? Salut, Ben. Préviens-moi la prochaine fois qu'on a des invités. Eh ben voilà, j'ai eu un léger souci. J'ai pas bien lu le bon de réservation. Ces demoiselles vont partager le chalet avec nous. Cara, bon. Écoute, je suis sûre que ça va bien se passer. J'ai appelé l'accueil, mais tout est complet. Il n'y a plus de place nulle part. Je crois que j'ai... Merdé. Pas grave. Plus on est de fous, plus on rit. N'empêche que je suis hyper déçu, vu qu'on devait passer le week-end entre potes. Cool. C'est du cabernet? Oui. Oui. Vous voulez un verre? Avec plaisir. Au fait, je m'appelle Megan. Sean. Cara. Merci. Je sais pas vous, mais moi, le vin, je le déguste toujours avec du chocolat. Ouh, je vous en prends un. Merci. Délicieux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Du brie affiné en cave, de la confiture de figues, du champagne. On vous traite comme des VIP ici. Oh, c'est trop mignon. Ils sont jolis, ces marques verts. Oh, pitié, pas les marques verts. Quoi? Qu'est-ce que vous avez contre les marques verts? C'est le meilleur moyen de ne pas confondre nos verres. C'est à se demander comment on a fait pour s'y retrouver pendant des milliers d'années avant l'invention de ces trucs. Il y a une jolie terrasse à l'extérieur, on pourrait peut-être... Oui, on n'a qu'à continuer notre petite fête dehors. Dehors? Il fait un froid de canard. Eh ben, c'est justement pour ça qu'il y a un brasero. À marque vert? Merci. Amusez-vous bien. Continue, n'abandonne pas. Je sens que tu vas pas tarder à nous faire un magnifique feu de joie. Sympa. C'est pas facile avec des bûches humides. Mais au fait, si t'allais nous chercher un peu de bois sec? Non, tu vas y arriver.
Et puis ce week-end, j'évite de faire quoi que ce soit qui s'apparente à du travail. Je parle pas de mon travail, je travaille pas mes abdos et je vais même pas travailler mon déhanché sur la piste de danse. Si vous saviez le nombre de fois qu'il a dit ça dans la voiture, ça vous ferait pas rire. Perso, je suis d'accord avec votre ami. D'ailleurs, on devrait faire un pacte. On ne parle pas de travail, point barre. Je veux même pas savoir ce que vous faites dans la vie. Ça me va. Sur ces sages paroles, je vais éteindre ce truc-là et l'enfermer dans la boîte à gants. Je suis de tout cœur avec vous, par la pensée. Au fait, où est Kara? Elle est restée prisonnière du mot qu'on peut pas prononcer. Alors ayons pitié d'elle. Ce week-end, c'est comme une prise d'otage pour elle. Et ben voilà, ça y est. Oh non. Oh, désolé. C'est une blague? Voilà, et ben j'ai plus d'allumettes. Sauf bien sûr si tu veux aller en acheter. Non, 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 non. Toi tu vas aller en acheter. Mais avant, regarde s'il n'y en a pas une boîte dans la cuisine. Oh, oui, bonne idée. Merci. De rien. Il y a des bûchettes avec allume-feu dans le placard. Je vois que vous n'avez pas vraiment confiance en moi. Je vous connais en tout et pour tout depuis 5 minutes. Comment pourrais-je avoir confiance? Je vous ai donné mon snowboard. Je sais pas ce qu'il vous faut. Votre snowboard? Oui, enfin, façon de parler. N'empêche que je vous l'ai laissé. Vous qui avez une excellente vue. Vous voyez ces chiffres? Ils indiquent qu'il n'y en a que 40 qui ont été fabriqués. Ce qui veut dire qu'il n'y en a que 39 autres dans le monde. Autrement dit, vous avez beaucoup de chance. Bizarre, vous n'en avez pas parlé à la boutique. Je voulais pas mettre de l'huile sur le feu. Quel feu? Vous aviez l'air bien décidé à le garder. Et encore, vous m'avez pas vu en période de solde. J'ai l'impression de vous avoir déjà croisé quelque part. Vous travaillez dans quel quartier de Seattle? Vous respectez pas notre pacte. Le travail n'a pas sa place ici. On parle pas de boulot. Je suis complètement d'accord. Alors lâchez votre ordi maintenant et venez avec nous. Place au loisir. Pourquoi personne ne comprend que c'est un loisir? Tous ces mots, aussi proches les uns des autres. Ça ressemble à du travail. Regardez mieux, c'est un roman. Si vous êtes une romancière qui écrit un roman, ça reste un travail. Sauf si la romancière évite ainsi de faire son vrai travail, qu'elle devra faire plus tard. Vous êtes consciente du nombre de fois où vous prononcez le mot travail? Je n'ai pas l'habitude qu'on m'interdise l'emploi de certains mots. Les mots sont utiles pour apprendre à se connaître. Ouais. Quoique le langage soit pas toujours nécessaire, parfois il y a des signes qui en disent long sur les gens. Comme taper sur un clavier pendant que quelqu'un vous parle. Oh, voici venu mon dernier petit moment de détente de cette première soirée. Qu'est-ce que tu veux dire? Le wifi m'a rattrapé dans le vestiaire. Diane t'a donné du travail? Ouais, mais pas grand-chose. Ils vont créer un nouveau poste, elle me demande de faire une description totale du truc. Megan, t'es en congé. Ouais, mais je peux le faire en dormant, je peux même le faire tout de suite, regarde. Un magazine féminin recherche un responsable éditorial, capacité d'adaptation à de fortes personnalités. Joliment formulé. Organisation, méthode de travail et connaissance approfondie de nos besoins. J'en vois. Ça me fait penser à une personne qui y travaille déjà. Quoi, moi? Tu plaisantes, Diane cherche quelqu'un qui a de l'expérience en management, moi je suis juste son assistante. Exactement, tu gères tout pour Diane. Je gère ses salades. Et son calendrier éditorial, les séances photos, les interviews. Alors? J'avais jamais vu les choses comme ça. Franchement, j'avais jamais vraiment vu les choses sous cet angle. Je suis tellement aux petits soins pour Diane, j'ai l'impression que je sais rien faire d'autre. Tu te trompes, la preuve, t'as organisé ce voyage. Et tu vois le résultat? Oh, le chalet, on s'en moque. Ce qui compte, c'est notre vie entre filles. Je t'assure. Oh, c'est vrai. Regarde, je prends une grande inspiration. Je m'occupe de moi et je fais comme si ces hommes n'étaient pas là. Ouais, t'as raison. Pourquoi l'hôtel nous a pas offert un panier garni à nous? Détends-toi, Kara. Reste zen. Reste zen. Tu entends? Quoi? C'est le premier télésiège de la journée. On va le prendre. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant d'énergie, t'as pas bossé toute la nuit? J'ai été inspirée. J'ai fini mon second article sur la désintoxication amoureuse et j'ai écrit 10 pages de mon roman. Tu es d'une efficacité redoutable. C'est probablement l'air pur de la montagne. Ouais, Diane m'a envoyé un autre titre. Ah oui, lequel? La cure et ses complications. Comment dire non aux tentations malsaines? Tentations? Oui, enfin, c'est purement hypothétique. Je vois pas ce qui pourrait me faire succomber ici. Oh, ça, peut-être. J'ai trop hâte de glisser sur cette magnifique poudreuse. Il est tombé 20 cm de neige cette nuit. Et le sol est immaculé. On sera les deux premières à y laisser nos empreintes. Non, pas les deux premières.
Excusez-moi, comment il a pu arriver en haut de la piste avant le démarrage des télésièges? Lui, là, il est monté avec le chauffeur de la dameuse. Là, t'es d'accord qu'il y a un truc bizarre avec nos colocataires du chalet? Oui, je crois qu'il a filé un petit billet au dameur. D'accord, mais comment t'expliques la mystérieuse livraison tardive des snowboards hier soir? Peut-être qu'il les a achetés en ligne, tout simplement. Malvien, on monte en haut des pistes avant que tu te mettes à fouiller dans le passé du serveur. Tout a commencé avec un cake au chocolat. Sean, t'aurais dû venir avec moi. T'as souvent l'occasion d'arriver le premier en haut des pistes, toi? C'est souvent que j'ai l'occasion de faire la grasse mat. Il est 8h du matin. 8h? C'est comme s'il était midi pour un chirurgien. Bon, je me prends un deuxième café au lait, ensuite je me tape 2 ou 3 descentes. N'oublie pas qu'on a prévu un sauna après. Je prends toujours mes congés très au sérieux. Au fait, avant que j'oublie, elle est déjà passée au chalet tout à l'heure. Elle voulait te voir. Monsieur Livingston? Je suis ravie de pouvoir enfin vous rencontrer. Enchantée, Jennifer. Appelez-moi Ben. Je vous suis très reconnaissante de ce que vous faites pour l'association Vacances à la Neige. Je voulais vous demander, pour le cocktail de charité, vous préférez faire votre discours avant? Pardon, ou... quel discours? Il doit y avoir une erreur. Je suis un membre bienfaiteur. Je ne participe pas à l'événement. Vous êtes sûr? Il y aura un bal ce soir et aussi un traiteur? Ce sera parfait, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, je ne peux pas apparaître en public. Est-ce que les snowboards sont arrivés? Oui, enfin, le chauffeur est dans les embouteillages, mais il ne devrait pas trop tarder. Parfait. Ça ne vous dérange pas de me prévenir quand ils sont là? Bien sûr. On sera en haut des pistes avant que le plus gros de la foule ne soit... le mystère s'épaissit. Peut-être qu'il lui propose de faire un tour sur la dameuse. Allez, viens. Alors, c'est quoi le programme? Snowboard, fondue, jacuzzi? Tant que la fondue est sur la liste, moi ça me va. Tu crois que je pourrais y caser une petite séance d'écriture? Te prive pas. Plus tu bosses sur ton roman, plus il y a de chances que tu t'inscrives à la fac. Oh, doucement, t'emballe pas trop vite. Oh. Allô, Diane? Non, il est jamais trop tôt pour appeler. Écoutez, cette offre d'emploi que je vous ai demandé de rédiger... Elle est correcte? Plus que correcte. On a déjà 8 postulants. Le problème, c'est que c'est urgent et je suis débordée. Il vous serait possible de les présélectionner? Vous voulez que j'examine les CV? Non, pour moi, les CV se ressemblent tous. Je veux que vous les présélectionniez et qu'il n'en reste plus que 3. Vous avez vu mon emploi du temps. La semaine prochaine, je peux pas recevoir 8 personnes. Mais je dois pas faire ça aujourd'hui, c'est pour... Ne vous inquiétez pas, une des stagiaires a... Déjà tout organisé. D'ailleurs, je vais raccrocher. Le premier postulant va vous appeler dans environ 1 minute. Quoi? Mais... Megan, je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Oh! Non, mais j'hallucine. Elle me demande de présélectionner les candidats aujourd'hui. Là, maintenant. Tu vas pas la laisser te gâcher ce week-end? En tout cas, je vais pas la laisser te gâcher le tien. Allez, vas-y, prends le télésiège, je viendrai te rejoindre plus tard. Bonjour! C'est gentil de vous rendre disponible ce week-end. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous êtes matinale? Aujourd'hui, j'espérais être la première à glisser sur la neige, mais quelqu'un m'a coupé l'herbe sous le pied. Ah, vous connaissez le dicton, l'amour et le snowboard n'attendent pas. Non, je ne connais pas celui-là. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est parti du mauvais pied. Ah bon? J'espérais passer un week-end avec mon pote tout en m'accordant quelques moments de solitude pour réfléchir et... Je comprends, oui. Enfin bref, pourquoi on ne repartirait pas sur de nouvelles bases? Comme si on se rencontrait pour la première fois ici, sur ce télésiège. Oh, comme des présentations dans les règles, sans se fier aussi. Vous pouvez vous moquer de ma théorie des signes, mais elle est 100% infaillible. Hier soir, par exemple, pour les marques verts, c'est l'ananas que vous avez choisi, le fruit le moins doux. Le moins doux ou le mieux protégé? Mieux protégé ou trop sur la défensive? Je pense que chaque personne a son mécanisme de défense, tel que la dissimulation. La dissimulation? Vous insinuez que j'aurais quelque chose à cacher? Eh bien, d'après votre fameuse théorie du marque vert, je dirais que oui, parce que vous avez choisi les lunettes noires. C'est un grand classique. Mais qu'est-ce que ça cache? Sapin ou bosse? Pourquoi cette question? Ah, pour que chacun ait sa piste.
Vos deux premiers articles cartonnent, besoin du troisième avant minuit. Vous êtes rentré tôt pour lire. Vous avez les cheveux électriques? Ouais, ça arrive tout le temps, j'ai l'habitude. J'ai vu des élastiques dans la salle de bain. Ah, ce serait super s'il y avait des casques adaptés au queue de cheval. Où est-ce que vous en êtes? Vous croyez toujours que c'est Vera? En fait, je suis passé à un autre bouquin. C'est pas vrai, vous avez lu mon manuscrit? Oh, pardon, il était ouvert sur la table basse. Je vous ai pas autorisé à le lire. Mais j'ai pas pu le lâcher, j'avais envie d'aller au bout. C'est vraiment très bien. Ce ne sont que quelques mots jetés sur quelques feuilles. En fait, j'étais rentrée pour travailler dessus et profiter d'un moment de solitude pour réfléchir un peu. Je comprends. Je ne demande qu'à lire la suite. Décidément, vous semblez prendre beaucoup de plaisir à passer du temps à lire enfermé dans le chalet. Eh bien, ces derniers temps, j'ai pas très envie de voir du monde. Pas de folle nuit en boîte. Je me fais discret. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Vous êtes un vrai auteur de romans policiers, vous? Vous prétendez vous faire discret, mais c'est pas vraiment ce que je vois. Vous voulez savoir ce que je vois, moi? Je vois une fille un peu trop curieuse. C'est parce que vous avez choisi les lunettes noires. Ben ça alors, je sors pile à l'instant, vous allez entrer. C'est peut-être une coïncidence. Vous voulez un coup de main? C'est pas facile de s'y retrouver dans leur menu. Ils vendent que des crêpes et des bières, je crois que je vais me débrouiller toute seule. N'importe qui peut commander une crêpe. Mais pour la garniture, ça exige un certain savoir-faire. Très bien. Alors, l'entretien d'embauche aura lieu à 9h30 au magazine Mallory. Oui, entendu. Au revoir. Oh, ça y est, enfin, le dernier. Excuse-moi, je vous ai pas vu. Megan? Sean? Est-ce que ça va? Ça peut aller. Mais je crois que je me suis fait mal au poignet. Vous n'aviez pas tort, c'était une crêpe parfaitement bien garnie. Mais... il va falloir que quelqu'un me ramène en traîneau. Oui, je le connais très bien, ce bar-restaurant. Mon frère et moi, on y faisait des concours de garniture quand on était gosses. Vous étiez les gagnants? En général, on se faisait virer avant l'annonce du vainqueur. D'ailleurs, j'avais peur de me faire refouler à l'entrée. Mais avoir la chance de passer une si belle journée ici... Franchement, j'aimerais que tout le monde puisse en profiter. Ça vous fait sentir que la vie peut encore être belle et douce. Ouais, c'était vraiment une belle journée. C'est pour ça que je me demande pourquoi vous êtes resté enfermé à lire sans en profiter. J'ai découvert un nouvel auteur. Ah. Elle va faire partie de mes préférés. Et puis, il fallait que je me repose un peu avant d'attaquer le Halfpipe où tout a commencé. Où tout a commencé? C'est là que j'ai appris à faire du snowboard et que j'ai réalisé mon premier 360. J'avais 9 ans. Je croyais que personne ne me regardait. Et tout à coup, j'ai entendu applaudir. Je me suis retourné et mon père était là. Il avait tout vu. Tous les gamins plus âgés ont éclaté derrière. J'ai cru mourir de honte. Je connais ça. Mon père aussi est du genre à applaudir. Restaurant, anniversaire et j'en passe. Il se croit encore sur les gradins comme quand je jouais au foot. Je crois que mon père l'aurait apprécié. Je suis désolée. Non, non, il n'y a pas de mal. C'est un peu comme si ces applaudissements résonnaient encore. Cette montagne, ce sport, c'était sa passion. C'est ici qu'on a passé nos meilleurs week-ends. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Le week-end n'est pas encore terminé. Le travail? On ne me laisse jamais tranquille. Mais ça va peut-être pas durer. J'ai été admise à l'université. Félicitations.
Merci, mais ça veut pas dire que je vais m'inscrire. Cette année, je vais essayer d'être plus prudente. Je vais bien réfléchir, évaluer tous les risques. Que les choses soient claires, mon job, c'est pas de la tarte. Deadline insensé, appel tout le week-end, mais... C'est le genre de travail pour lequel certains seraient même prêts à tuer. Je fais ce genre de métier aussi. Alors vous savez que c'est pas facile de l'abandonner. Mm-mm. Mais au fait, c'est quoi votre boulot ? Je travaille pour une fabrique de snowboard. Ah, c'est ça ! Je comprends mieux maintenant. Ça doit être sympa. En théorie. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit pour votre casque ? Ce serait facile de creuser une rainure pour faire passer une queue de cheval. Ah, je vous ai donné une idée. On aurait sauté dessus à l'époque. Mais c'est fini maintenant. L'innovation est passée au second plan, seul compte l'image. Ça coûte rien de leur soumettre l'idée. J'ai jamais vu une personne si prudente dans sa vie personnelle encourager les autres à prendre autant de risques. C'est une façon de vivre par procuration. Vous vous rendez compte qu'il y a un truc sur lequel on vient de tomber d'accord? Je laisse glisser cette fois, mais attention à la prochaine. Ah, c'est pas mal. J'ai oublié que j'avais un rendez-vous. Bon, on se revoit plus tard. Ouais. Ok. T'es sûr que ça t'embête pas de faire ça? Parce que je sais que t'es pas venu ici pour travailler. Après t'avoir bousculé, c'était la moindre des choses de t'éviter un transport à l'hôpital. De plus... Tu crois vraiment que j'allais te laisser entre les mains de ce mec-là? Quand il a ouvert son manuel avant de me faire la radio, j'ai flippé. Comment tu te sens? Oh, ça sert. Ouais, mais ça va être encore pire si ça enfle. Alors, tu maintiens ton bras en hauteur et tu ne manipules plus rien. Oh non, 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 j'ai un appel dans 10 minutes. Je peux pas ne pas... Non, attends, je crois que t'as pas bien compris ce que je viens de te dire. Tu ne touches à rien. Pas de mail, pas de texto, pas d'appel. Pendant combien de temps? 2-3 jours. Ça va pas être possible. Tu connais pas ma patronne. Ça sert à rien que je lui explique, elle voudra rien savoir. Mais peut-être qu'elle écoutera un médecin. Allô, Diane, je voulais vous répondre par texto, mais figurez-vous que mes moufles se mettent entre mes doigts et le clavier. C'est un petit trait d'humour de snowboarder. Oui, bon, ne vous laissez pas trop distraire, Cara. Tout le monde attend ce troisième article. Il faut vraiment qu'il soit exceptionnel. J'ai une idée, je peux peut-être parler de tout le boulot qu'on peut abattre quand on n'a pas d'amoureux. Je pensais à un thème un peu plus plaisant à lire. Je vais réfléchir et vous trouver quelques titres. Ah, d'accord. Bon, amusez-vous bien, mais n'oubliez pas, il me faut ce troisième article avant minuit. Vous l'aurez. Si vous cherchez votre amie, elle est en bas. Ah, mon amie ? Oui, petite, aux cheveux noirs avec un blouson violet. Vous voulez dire Megan ? Ouais, elle est à l'infirmerie. Quoi ? Tout va bien, elle s'est bousillée le poignet, un truc comme ça. Oh, non ! C'est par là ? Ouais, juste Merci. En bas. T'as de la visite. Salut. Ah, oh, ça va, Megan ? Ça aurait pu être pire. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien de grave, une fracture mineure et une foulure. Elle se remettra beaucoup plus vite sans ça. Tu t'es cassé le bras et foulé le poignet ? Ça pourrait même lui sauver le week-end. Hé, hey, mon téléphone ! Comment tu te sens ? Ben, à part ça, je meurs de faim. Ben, vous vous êtes surpassé. J'espérais avoir 5 ou 6 snowboards, mais pas une quinzaine. Et signé par Travis Bretz ? Oui, vous pouvez remercier Travis sur ce coup-là. Il les a signés parce que vous nous en faites don. Offrir des vacances à la neige à chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine, c'est très important pour moi. Eh bien, si tout se déroule bien ce soir, encore plus d'enfants pourront en profiter. J'ai une longue liste d'invités. Et j'ose espérer que si toutes ces personnes voyaient votre engagement, elles suivraient votre exemple. Écoutez, en d'autres circonstances, j'aurais participé avec plaisir. Mais je préfère ne pas m'exposer publiquement pour l'instant. D'accord. Mais il n'y aura pas la presse ce soir. Seulement le photographe de l'association. L'événement se déroulera dans la plus grande discrétion. C'est juste que c'est pas si souvent qu'une seule soirée dans la vie de quelqu'un puisse apporter autant de bonheur à autant d'enfants.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'entendre quelqu'un dire non à Diane. Oh, Sean l'a appelé? Si tu l'avais entendu, il a pris un ton sérieux et il a dit « repos total pendant les prochaines 48 heures consigne du médecin ». Excellent, j'aurais adoré être là. Oh. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? La routine. Snowboard, remonter, re-snowboard. J'ai eu aussi Diane au téléphone et... j'ai déjeuné avec Ben. Genre un déjeuner en tête-à-tête? De quoi vous avez parlé? De tout et de rien. Il travaille dans une fabrique de snowboard. Et on a parlé de mon manuscrit. Quoi? Oui, je l'avais laissé traîner. Et du coup, il l'a lu. Tu montres ce que t'écris à personne? Et là, tu me dis qu'il a préféré lâcher son snowboard toute une journée pour lire ton manuscrit. C'est un passionné de lecture. Ceci explique cela. Oh, et avant ça, on s'est tous les deux retrouvés par hasard sur le même télésiège. Pas quoi, j'aurais préféré l'éviter, mais... T'as pas lu le règlement avant d'entrer dans le sauna? Il est strictement interdit de ruminer. C'est cette soirée caritative. Je sens qu'il va falloir que j'y aille. Je croyais que tu voulais éviter ce type d'événement. Ouais, je sais. Mais la fille qui l'organise s'est montrée très convaincante. Je resterai à l'arrière-plan. Il n'y aura pas la presse. Ni aucun badge. Alors? Vas-y, c'est bon. Moi, je serai au bar en train de gagner le concours de culture générale. Ouais, mais ce soir, c'est... notre dernière soirée, j'aimerais qu'on puisse la passer tous ensemble. Tous ensemble? Et quel membre de ce groupe va le plus te manquer? Parce que je me doute bien que c'est pas moi. Kara? Est-ce qu'elle t'a parlé de moi? Non, mais je sens qu'elle te déteste moins qu'elle te détestait hier. Megan, tu sais que je suis en cure de désintoxication. Et même si c'était pas le cas, Ben est loin de coller à mes attentes. Il agit dans l'ombre, il fait ses coups en douce. La preuve. Il a des rendez-vous secrets, des livraisons clandestines de snowboard. J'aime écrire des polars, j'aime les intrigues, mais pas les vivre. Et après tout ce qui s'est passé le soir du Nouvel An, je préfère rester prudente. Oui, je comprends. Mais ne le juge pas trop vite. Il se révélera à toi quand il sentira le moment. Dis-moi, qu'est-ce qui se passerait si tu lui disais la vérité? Si je lui disais qui je suis? Ouais, sauf que d'un simple clic, elle découvrirait toute l'histoire. Après un tel dîner, je suppose que t'es fatiguée et que tu veux passer la soirée tranquille au chalet? Non, c'est notre dernière soirée. J'ai appris que le bar organisait un concours de culture générale et... Sean m'a demandé de m'inscrire avec lui. Ouh, cool! Tu veux venir? Non, je veux pas être la cinquième roue du carrosse. Tu pourrais être une des quatre. Demande à Ben de venir. Je te dis que c'était pas à l'ordre du jour. C'est ni un rencard ni de la drague, c'est juste un jeu. Non, j'ai un article à écrire et à envoyer à Diane avant minuit. J'avais l'intention de remonter à pied jusqu'au chalet et de prendre un dernier bol d'air frais avant de m'y mettre. T'es sûre? Ouais. Ah, salut. Justement, je vous cherchais. Ah, salut. Vous repartez tout de suite? Oui, je vais remonter à pied jusqu'au chalet, j'ai du travail à terminer. Ah, alors vous ne sortez pas ce soir? Je sais pas encore, Megan m'a parlé d'un concours de culture générale. Je suis pas sûre que ça vous branche, mais si jamais vous êtes... À quelle heure ça commence? Aux environs de 20h. 20h? Disons que j'ai déjà pris un engagement à cette heure-là, et d'ailleurs j'ai quelques petits détails à régler. Vous voulez bien m'accorder une minute? C'est juste que j'avais l'intention de partir avant qu'il fasse nuit. Jennifer? Ben? Qu'est-ce que vous en dites? C'est cool, c'est super. Écoutez, j'ai changé d'avis pour ce soir. Ah, c'est génial, je suis ravie. Je peux inviter quelqu'un? Bien sûr. Kara? Ben, à quoi vous jouez? Je voulais pas vous laisser en plan tout à l'heure. Je voulais savoir si je pouvais venir accompagner. Venir accompagner? Oui.
La femme avec qui j'ai parlé organise une vente aux enchères et une soirée dansante. C'est pour l'association Vacances à la neige. Vous en avez entendu parler? Ouais, je connais. Ils permettent aux enfants défavorisés de connaître les joies des sports d'hiver. C'est ça, et mon entreprise a fait don de snowboard au profit de l'association. Bon, écoutez, je sais que vous avez du travail, et je sais pas si l'ambiance sera festive. Mais ce dont je suis sûr, c'est que cet événement serait bien plus agréable si vous veniez avec moi. D'accord, mais comment ça va se passer au juste? Parce qu'on sort pas ensemble, que je sache. Non, mais ça nous engage à rien, non. On va dire que c'est une sortie entre amis, c'est tout. Mais il faut pas trop tarder. Ah, d'où la motoneige. Exactement, tenez. Allons-y. À quoi je m'accroche? À moi. Une fois, je suis contente d'avoir pris trop de bagages. Vous me trouvez trop habillée? Non, vous êtes parfaite. Pour l'occasion, je veux dire. Oh, c'est vrai. Il fait froid dehors. Mon Dieu, je dois être ridicule dans cette doudoune. Ouais, eh ben, on sera ridicule ensemble. Mmh. Écoutez, Cara, la raison pour laquelle je participe à cet événement ce soir... Il n'y a que les gens trop curieux pour avoir besoin de tout connaître de votre vie. Content que vous ne fassiez pas partie de ces gens-là. Profitons simplement de notre rendez-vous. De notre sortie. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous revoir. Merci infiniment d'être venu. Bonsoir. J'ai hâte que vous sachiez combien vos dons sont importants pour nous. Passez une excellente soirée. Merci à tous. Au revoir. Ah, Ben. Ah, vous devez être l'invité dont il m'a parlé. Cara Renault. Jennifer, ravie de vous rencontrer. Ah, Ben, les snowboards sont magnifiques. Oui, nous avons acheté les dents. Tant mieux, ça me fait plaisir. Si vous voulez bien entrer et prendre un verre. Oh, pas tout de suite, vous permettez que je lui fasse visiter la bibliothèque? Bien sûr. Je savais même pas qu'il y avait une bibliothèque ici. Elle est magnifique. Je crois que c'était une résidence privée avant. C'est la seule pièce qui a survécu aux rénovations. Je suppose que vous avez passé beaucoup de temps ici quand vous étiez petit. Quand je faisais pas d'acrobatie sur le halfpipe. Ouais, bien sûr. Ah, regardez ça. Une édition originale, Arthur Conan Doyle. La vallée de la peur. Quand j'étais gosse, ce livre m'a tenu éveillé des nuits entières. Vous étiez plus courageux que moi. Je trouvais Moriarty si terrifiant que je pouvais le lire que dans la journée. Merci de m'avoir amené ici. D'accord. Bon, pour tout vous dire, en fait, c'est un endroit que je tenais à vous montrer. Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être un signe. Un signe de quoi? De ce que vous devriez faire. Ah, c'est vrai? Alors je devrais quitter mon emploi pour aller à l'université parce que vous voyez des signes. Vous pourriez être bibliothécaire. J'aurais peut-être pas dû mettre ça sur le tapis. Non, c'est pas une décision qui se prend à la légère. Alors au contraire, c'est bien d'en parler. Les deux options sont bonnes. Sauf que je sais pas où j'en serai dans un an. Si vous ne pouvez pas voir votre avenir, vous connaissez votre passé. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des romans policiers? J'ai toujours trouvé ça sécurisant et apaisant. On peut s'inventer des situations dangereuses, des aventures qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Et à la fin, quand l'intrigue est démêlée, en général, ce sont les gentils qui gagnent. Ce sont là toutes les raisons pour lesquelles j'aime autant lire. Franchement, je pense que vous ne devriez pas hésiter à vous inscrire à la fac. Je suis prêt à parier que vous pourriez avoir votre nom dans les rayons d'une bibliothèque comme celle-là. Mais vous n'êtes pas du genre à parier. Parce que vous aimez savoir à quoi vous en tenir. Oui, c'est ce que je croyais. Mais ce week-end m'a fait prendre conscience que les imprévus avaient du bon. Hier, par exemple, quand je vous ai vu dans mon chalet et que vous avez commencé à distribuer les marques vertes, j'étais sûr que mon week-end était complètement fichu. Et? Il n'est pas encore terminé. On y va? Bienvenue à la vente aux enchères annuelles pour l'association Vacances à la neige. Si vous voulez bien vous approcher, nous débutons les enchères avec le Cyan 920, un snowboard modèle glace signé Travis Bretz.
Les enchères commencent à 1500. Y a-t-il quelqu'un pour 1500? Le monsieur à la cravate jaune pour 1500. Bon, le premier snowboard a été fabriqué en fixant deux skis ensemble. On lui a donné le nom de... Snowler. Snowler. La bonne réponse, c'est Snowler, j'aimerais bien voir. Faire du snowboard. Regarde, tiens, ça doit être drôle. Je savais. Non, il a je dit savais. Au hasard. Oh, bravo. Yes. Adjugé à 3600 à la dame à la veste à rayures. Le suivant est le Cyan 920, édition limitée, modèle éclair. Course chronométrée sur piste, freestyle, border cross... Réponse B. Border cross, je cochais toujours la case B quand je répondais à mes questionnaires à choix multiples. C'est comme ça que t'as eu ton diplôme de médecin. Ouais, ouais. Ouais, super, top. Félicitations. Désolé. Notre vente aux enchères est terminée. Merci infiniment pour votre généreuse participation. J'espère que vous resterez tous pour le bal. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, je dirais qu'il y aura encore plus d'enfants au sport d'hiver. Ben, si vous avez une minute, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Oh, d'accord, je... Ah, mais... Ben, vous m'aviez promis cette danse. Désolée. Je tiens toujours mes promesses. Vous tirez très vite, on dirait. Ce n'était qu'une balle de sommation, je peux tirer à boulet rouge toute la nuit si elle continue à vous harceler. Alors, je suis rassurée. Bon, vu que tous les snowboards étaient des siens de sport d'hiver, je suppose que vous travaillez chez eux. Rien n'échappe à votre œil de lynx, inspecteur. Ben, je peux vous voler une photo, vite fait? Non, je préfère pas. C'est juste pour la promo de notre prochain événement. Vous formez un très joli couple. Ah, d'accord. Merci. Suivez-moi. Vous n'aimez pas les photos? Je n'aime pas la publicité. Alors, vous êtes connu du grand public. Je fais tout pour l'éviter. Mais il y a pourtant plein de monde autour de vous. C'est vrai, j'avais pas remarqué. Vous travaillez pour Cyan Sport d'hiver, vous détestez la publicité, vous êtes une véritable énigme, Ben. Oh, ça tombe bien, parce que vous aimez les réseaux d'art. Merci. Ça vous dirait d'aller prendre l'air? Bien sûr, avec plaisir. Le décor est magnifique. Les guirlandes électriques, la neige. J'aurais aimé découvrir ce lieu et sa bibliothèque plus tôt. Je serais bienvenue ici pour écrire. Ça me rappelle un peu mon endroit préféré à côté de chez moi. Votre endroit préféré? Ouais, c'est un café tout simple, qui fait aussi librairie et ils confectionnent eux-mêmes de délicieuses pâtisseries. C'est pas dans le quartier Ballard? Avec des lustres en guise de luminaire? Exactement, vous êtes déjà allé là-bas? Mais oui, j'y vais aussi souvent que je peux. Ça alors, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'on s'y soit jamais croisés? Peut-être qu'on devait se rencontrer ici. Ouais, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal, c'est vrai, mais il y a aussi des inconvénients. Ouais, concernant votre poste de chargé de relations publiques. Chez Cyan Sport d'hiver. Bravo, inspecteur. Vous avez presque élucidé l'enquête. Oui, mais il y a encore quelques zones d'ombre que je n'arrive pas à éclaircir. Mm-hmm. Pourquoi vous êtes venu ici si vous ne voulez pas qu'on vous voie? J'en sais rien. Je me suis dit que si je venais là où je suis tombé amoureux des sports d'hiver pour la première fois, peut-être que j'aurais pas l'impression de travailler. Que je pourrais repartir sur de nouvelles bases et tout recommencer. Eh bien... À un nouveau départ, alors? À tous les nouveaux départs. Pour quelqu'un qui refuse de faire des rencontres, c'est plutôt agréable de passer une soirée avec vous. Ça dépend peut-être de qui m'accompagne. Quoi qu'il en soit, ce choix de ne faire aucune rencontre était une décision très récente. Alors? Qui c'était? C'était pas en rapport avec un homme. Je voulais... repartir sur de nouvelles bases, comme vous dites. Cela dit, il y avait quand même quelqu'un. J'aimerais pouvoir le remercier. Pourquoi? Pour ce qu'il a fait pour vous perdre. Sans lui, je vous aurais peut-être pas rencontré. Et une dernière danse? Une dernière danse. Allez. Thank you.
Merci. Rassurez-moi, ça vient bien d'un restaurant de la liste que Megan vous a laissé? Ben Livingston et son ami Cara Renault. Ben Livingston. Ben Livingston. Le PDG largue l'espoir féminin du snowboard américain la veille des Jeux. Je crois bien que Jennifer est partie. Ça tombe bien, je voulais pas connaître ces personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus obligé de danser. On n'est plus obligé. Mais on peut toujours. C'est pas ton téléphone. Non, je suis sûre que c'est celui de quelqu'un d'autre. Je suis désolée, ça t'ennuie pas. Si je jette un petit coup d'œil vite fait, faut juste que je vois ce Vas-y. Que c'est. Excuse-moi, mais c'est peut-être ma patronne. Désolée, c'est extrêmement gênant. Qu'est-ce que c'est ? Apparemment, c'est un message très urgent disant que je dois impérativement appeler ma patronne. Là, tout de suite, maintenant. D'accord. Je suis vraiment désolée. Non, vas-y. J'en ai pas pour longtemps. Je t'attends. Il est tard pour un appel professionnel, qu'est-ce qui se passe ? On a gagné ! Hé ! Cara ! Je savais pas que vous étiez encore là tous les deux. Qu'est-ce que t'es chou ! Élégante et toute pimpante. Ouais, la tenue parfaite pour les tempêtes de neige. Je suppose que Ben t'a embarqué dans son événement professionnel. À grands cris et à coups de pied. Et vous, ce concours, ça se passe bien ? Oh, on a fait un massacre. Bah, j'appellerais pas ça un massacre, c'est pas un combat de boxe ou de catch. Et puis, il y a encore un deuxième round. Ton dernier article, comment t'as fait pour le terminer aussi vite ? En fait, je l'ai pas encore commencé. Ce qui explique sans doute pourquoi je reçois autant de mails. Alors si tu veux bien m'excuser, bonne chance. Oh, le deuxième round, on y va. Bonsoir, Cara. Diane, j'ai reçu votre texto. Vous inquiétez surtout pas, je vous enverrai le dernier article avant minuit. Vous ne l'avez pas encore écrit ? Non, pas encore, en effet. Bien. Je crois que nous pourrions peut-être lui faire prendre une tournure un peu plus intéressante, comme un dénouement heureux. Pour vous et l'électrice. Je suis pas sûre de comprendre. J'ai sous les yeux une photo de vous prise ce soir lors d'un événement caritatif. Oui. Avec Ben Livingston. J'y suis allée avec un ami qui s'appelle Ben, si c'est le sens de votre question. Vous savez qui c'est, je suppose. Oui. On peut dire que je sais qui c'est. Vous savez que c'est le PDG de Sian Sport d'hiver. Ben est le PDG de Sian ? La photo a été mise en ligne ? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une fille que j'ai rencontrée ici. Je vois même pas pourquoi je serais obligé de me justifier. Et oui, je sais que j'ai dit que je prendrais aucun risque, mais... Elle fait quoi comme métier ? C'est une entreprise cotée en bourse. Livingston figure sur la liste des meilleurs entrepreneurs du pays depuis 3 ans. Il a dû vous le dire, non ? Pas exactement dans ces termes, mais... Non, bien sûr. Et ce n'est pas tout, il est aussi connu pour être un grand séducteur. Mais vous êtes maligne, vous l'avez vite flairé, non ? Vous êtes sûre de ce que vous dites ? L'homme que je connais ne ressemble pas du tout au portrait que vous m'en faites. Au contraire, il est... Écoutez, alors, je vais vous envoyer un lien et vous pourrez en juger par vous-même. Le PDG largue l'espoir féminin du snowboard américain la veille des Jeux. J'ai pas bien compris ce que t'as dit à ton attaché de presse. Cara travaille pour un magazine, pire, sur la rubrique des relations sentimentales. Son boulot consiste à écrire, ou plutôt à déballer sa vie privée. Elle parle de ses rencontres, des hommes avec qui elle sort. Et ils sont cool ? Ça, je m'en moque. Je veux pas faire partie de la liste. Écoute, mon attaché de presse dit qu'il serait préférable que je reparte ce soir. Fais ce que t'as à faire. Je trouverai bien une solution pour rentrer. T'es sûr que tu veux pas en discuter avec Cara ? Je sais pas, mais y a peut-être une explication. Non. Il faut que je voie la réalité en face. C'est un signe. Le signe que ça va ne mener à rien. On se voit à Seattle. Cara, vous n'avez pas à être la victime dans cette histoire.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Tentez de prendre votre revanche sur Livingston. Faites votre dernier article en expliquant comment vous avez rencontré ce célibataire toxique au plus haut point et comment vous l'avez remis à sa place. Je me servirai pas du nom d'une personne pour générer des clics. Rien ne vous y contraint, je veux dire. Il y a plein de gens qui seraient ravis de travailler à la rubrique beauté. Je ne pensais pas que vous en faisiez partie, mais je me suis peut-être trompée. Diane, je... Je vous demande simplement d'y réfléchir, d'accord? Vous avez encore 2h30 devant vous. Donnez-moi une seconde. Je vous envoie le titre. Diane? Oh, génial, j'ai plus de batterie. T'es là? Mon appel a duré plus longtemps que prévu. Je suis désolée. Ouais, moi aussi j'ai reçu un appel. Je suis un peu fatiguée. Je ferais bien de rentrer au chalet. Mais Sean et Megan vont rester encore un moment. Peut-être que tu pourrais te joindre à eux et t'amuser. Non, je dois y aller de toute manière. Il faut que je rentre. Il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas. Je dois repartir à Seattle. Ce soir? Oh, d'accord. Ouais. Tu ferais mieux d'y aller. T'as raison. Plus on attend, plus ce sera difficile. Le mieux, c'est d'en finir au plus vite. Bien sûr. Je parlais de la route à faire pour rentrer. C'est clair. Je décerne cette coupe à la nouvelle reine du quiz spécial sportivet. Toutes mes félicitations. Merci et félicitations à toi aussi. Tu la mérites. Ouais. Comment ça se fait qu'on se soit jamais rencontrés alors qu'on habite seulement à 300 mètres l'un de l'autre? J'étais peut-être destiné à tomber sur toi ici. Tomber sur toi, ou plutôt te faire tomber. C'est bête. Tu regrettes? Je sais que ça peut paraître fou, mais je suis presque, je dis bien presque, contente d'être tombée. Jamais je m'étais autant amusée depuis que je suis rentrée dans la vie active. Tu dis ça comme si ça allait s'arrêter. Ben oui, je rentre chez moi demain. Ouais, bien sûr, mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être prendre un... Désolé, j'ai une annonce à vous faire. On vient juste de nous informer que les routes étaient fermées. Quoi? Elles rouvriront aussitôt après le passage des chasse-neige. Je vous conseille de trouver un fauteuil confortable en attendant. La nuit risque d'être longue. Je crois que je vais y aller. Ouais. Sois prudent sur la route. Ouais. Quant à moi, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Ok. Ah, oh, génial. On va écouter les infos. Tu sais où est le poste radio? Oui, il est là. De fortes chutes de neige sont en cours. Avec 60 cm de neige attendue et des températures pouvant tomber jusqu'à moins 8, les habitants sont invités à rester chez eux. Toutes les routes sont bloquées à Powder Bowl, Winachipi et Clara Lake. Et maintenant, la suite de notre programme. On va rester coincé ici. T'es prête à tenter l'expérience? Ouais, je sens plus mes doigts, ils sont engourdis par le froid. Dépêche-toi, je vais mourir congelé. Je comprends pas. Comment ça se fait que t'aies utilisé toutes les allumettes pour allumer le bras zéro? J'étais obligé. Ah bon? Je pouvais pas utiliser les bûchettes d'allumage. Pourquoi? Parce que sinon, t'aurais eu raison. Comment je pouvais savoir qu'on était tombé sur le seul chalet au monde dans lequel il n'y avait pas de briquet? Qui a besoin d'un briquet quand on a une ancienne scout, une pile et de la paille de fer? Hop! T'es beaucoup plus doué que moi. Tu dois très bien te débrouiller dans d'autres domaines. Sinon, comment tu serais devenu PDG? J'avais l'intention de te le dire avant la vente aux enchères. Franchement, je suis étonné que tu ne l'aies pas découvert avant. C'est facile quand on fait le métier de journaliste. Quoi? T'as un problème avec ça? Je sais pas. Je suis peut-être un peu partial avec les journalistes. Sachant qu'ils m'ont toujours enfoncé et qu'ils n'ont jamais vérifié leurs sources. Cet article sur toi, il était mensonger? Tu l'as lu? Et pour ta gouverne, je suis pas ce genre de journaliste. Je suis plus dans les relations sentimentales. J'écris des listes de conseils et de mises en garde. Comme les 10 premières choses à ne pas faire? En fait, il y en avait 20, mais oui, c'est ça. C'est drôle que t'abordes le sujet. Tu sais ce que c'était le premier conseil? Ne jamais partir subitement. Celui-là, il est pour moi.
Écoute, mon attaché de presse s'est inquiété quand il a vu notre photo. Il m'a dit qu'il serait préférable que je m'en aille. Alors c'était pas une idée à toi ? Quoi, tu plaisantes ? J'aurais voulu que cette soirée ne s'arrête jamais. Cara, je vais tout te raconter et t'en tireras les conclusions. Si ça doit se terminer entre nous, je veux pas que ce soit à cause d'un secret. Tu veux bien m'écouter ? Camping en intérieur. Drôle de façon de finir le week-end. Hein, Sean ? Moi, je me plains pas. Ça va. De toute manière, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu ce week-end. Mais c'est pas plus mal. Je crois que c'est exactement ce qu'il me fallait pour être totalement déconnecté du boulot. À qui le dis-tu ? Moi, sans mon téléphone et du coup sans avoir ma patronne en ligne toutes les 5 minutes, j'ai réalisé à quel point je me laissais envahir par le boulot. Il faut que ça change. J'ai besoin de projets à long terme, je crois. Je me serais plus soucié de tes projets à court terme. Ah oui ? C'est-à-dire ? J'en sais rien, je pensais à un dîner, lundi. Je connais un petit restaurant français dans notre quartier. Il est super, ils font des soufflés à tomber. Je peux peut-être essayer de me projeter jusque-là. Quand j'étais à la fac, je faisais du snowboard tous les jours. Et je me disais qu'on pouvait rendre les planches plus performantes. Alors j'ai décidé d'en fabriquer. Tout simplement en bricolant avec de la fibre de verre et de l'époxy dans ma chambre d'étudiant. Puis des copains ont voulu m'en acheter. L'un d'eux est passé pro et boum ! Sian est né comme ça. Ça ressemble à un conte de fées. Ouais, c'était vraiment super. Jusqu'à ce qu'on soit coté en bourse l'an dernier. Ensuite, le conseil d'administration a pris le relais et a voulu que j'incarne l'âme de la marque. Et ma vie a cessé de m'appartenir. Tout d'un coup, les personnes que je voyais, les filles avec qui je sortais, tout avait un impact sur l'entreprise. Quelque chose me dit que c'est à ce moment-là que la championne de glisse entre en scène. Ouais, on sortait ensemble depuis seulement un mois. Elle s'entraînait nuit et jour. Elle disait que je la déconcentrais. Alors on a rompu. La semaine d'après, elle se fracasse le genou. Au revoir les jeux. Mais pour la presse, un cœur brisé, c'était plus vendeur qu'une fracture du genou. Et bien sûr, c'est arrivé juste au moment où on lançait notre collection pour femmes. Le conseil d'administration a failli me virer pour sauver les apparences. Les apparences ? Mais cette entreprise, c'est la tienne. Non, c'est aux actionnaires qu'elle appartient. Le conseil se plie à leurs décisions. Et lundi, ils votent pour reconduire ou pas mon contrat. Ouais, et en attendant ? On m'a demandé d'éviter le feu des projecteurs. On a des métiers et des vies différents, mais tous les deux, on sait que c'est difficile de séparer vie privée et vie professionnelle. C'est parfaitement bien résumé. Pardon, j'ai eu tort de pas te dire tout ça avant. Non, t'étais obligé de rien. On était venu ici pour mettre les compteurs à zéro, pas pour rencontrer quelqu'un. Toute la cure de désintoxication. Cure de désintoxication ? Ouais, c'est une série d'articles que j'écris pour... Oh non, quelle heure il est, s'il te plaît ? Il est 23h45. Oh, je devais envoyer mon dernier article avant minuit. Personne t'en empêche. Mais j'ai plus de batterie sur mon portable ni sur mon ordinateur. Ça peut pas attendre que le courant revienne ? Non, il faut que je le fasse tout de suite. Sinon, je le ferai peut-être jamais. Alors je te prête le mien. T'es sûr ? Ouais, j'ai encore quelques minutes d'autonomie et je l'enverrai quand le wifi sera rétabli. Oh, merci. J'en ai pas pour longtemps. Quoi, tu vas écrire là-bas ? Ça gèle ? Ouais, j'ai pas le choix. Ce que cette championne a dit sur toi, c'est vrai, tu déconcentres. Je vais prendre ça pour un compliment. T'emballes pas trop quand même. C'était rapide. Ouais. C'est fou ce que les choses sont faciles à faire quand on sait ce qu'on doit faire. Tu crois que ça va plaire à ta patronne ? Je crois pas que ce soit ce qu'elle espérait, mais c'est quand même ce qu'elle aura. Ça pourrait m'inspirer. Crois-le ou non, j'ai fini par comprendre quelque chose ce week-end. Et qu'est-ce que c'est ? Certains risques valent la peine d'être pris. On arrive à la rescousse. Oh, la tempête s'est un peu calmée. Les routes ont rouvert un peu plus tôt que ce qu'on croyait. Oh, génial. Et on peut réchauffer la pizza, du coup. Mais, oui. On a du vin. On
On pourrait faire un pique-nique. Oui, asseyez-vous. Malheureusement, on va devoir se sauver juste après manger. Oui, cette tempête, c'était qu'un début. Il y en a une plus grosse qui arrive dans quelques heures et les routes pourraient être bloquées plusieurs jours. Et j'ai une prothèse de hanche prévue lundi à 6h du mat. Désolé, vieux. Je vais faire mes bagages. Sean va m'aider. Eh bien, apparemment, notre soirée touche à sa fin. Oui, apparemment. Mais on a tous les deux le même indicatif, ce qui veut dire que je n'ai que 7 chiffres de ton numéro de téléphone à te demander, ce qui est beaucoup moins embarrassant. T'es sûr? Ton entreprise pourrait ne pas approuver. Eh ben, si c'est le cas, j'en trouverai une autre. Ah, je crois que c'est ton téléphone. Comment j'ai rencontré un célèbre PDG grâce à la cure de désintoxication. Je vais faire chauffer la voiture. Est-ce que tu peux m'expliquer? Écoute, Ben, je sais de quoi ça a l'air, mais c'est ma patronne qui m'envoie toujours les titres. Comment et là, ce truc est arrivé sur ton portable? Non, c'est arrivé avant. Avant quoi? Avant que ma batterie soit déchargée. Rien de ce que tu dis n'est logique. Sûrement, mais il faut que tu me crois, s'il te plaît, Ben. C'est qu'un gros malentendu. T'es sûr? Parce que pour moi, c'est pas du tout un malentendu. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais dû te dire depuis le début sur quoi je travaillais. Non, c'est de ma faute. Je cherchais des signes là où il n'y en avait aucun. Merci d'avoir pris le volant. T'inquiète, quand je me concentre sur la route, j'évite de penser que j'ai bien bousillé ma relation avec Ben. Bah, si tu veux une distraction supplémentaire, je vais rallumer mon téléphone pour la première fois depuis 24 heures. Courage. Oh là là. Oh là là. Et ça n'en finit pas. Faut que j'appelle Diane. Tiens, écoute, ça pourrait te remonter le moral. Tu crois ? Megan, Dieu soit loué, vous êtes vivante et votre bras, vous êtes proche de Seattle. Je vais bien. Désolée de vous déranger, mais vous pourriez jeter un coup d'œil sur votre planning. Ah, ce planning, c'est la pagaille. La stagiaire qui vous a remplacé a fait n'importe quoi. Dites-moi, lundi à 9h, vous avez du temps pour caser un autre entretien? Pour le nouveau poste, bien sûr. Quel est le nom du candidat? J'aimerais consulter son CV. Megan Markand. C'est... vous? Oui, exact. En présélectionnant les candidats, je me suis rendu compte que j'étais aussi qualifiée qu'eux et je connais le métier mieux que n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que je... vous avais jamais vu comme ça? Ben, il est jamais trop tard pour essayer. Eh bien, on se voit lundi matin, alors. N'oubliez pas d'apporter votre CV. Ok, merci Diane. J'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Moi non plus. Si Diane veut me voir différemment, il faut aussi que je me voie différemment. Tu m'aideras à mettre mon CV à jour? Ouais, bien sûr, c'est une très bonne idée. Les gens ont parfois besoin de voir les choses sur papier pour voir ce à côté de quoi ils sont passés. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on déjeunait dans ta boîte. Ouais, et ben on va devoir trouver un autre point de chute. Non, non. Me dis pas qu'ils ont voté pour... Ils en ont pas eu l'occasion. J'ai démissionné à l'instant où j'ai passé la porte. T'as quitté l'entreprise que t'as créée? Si j'ai créé une entreprise, je peux en créer une autre. Enfin, c'est ce que je me dis. T'es libre alors? Ben, pourquoi tu sautes pas au plafond en criant de joie? Je vois. Kara. Ouais. Tu sais l'article qu'elle voulait que j'envoie à sa patronne, celui dans lequel je croyais qu'elle me jetait en pâture sur la place publique. C'était pas le cas. C'était quoi? Je comprends pas. Le mieux, c'est que je te le lise. Chère Madame White, je ne peux vous dire tout ce que mon expérience au magazine Mallory m'a apporté. C'était une aventure passionnante et j'ai beaucoup appris sur la presse écrite, sur les rapports humains et moi-même. Cependant, étant admise en troisième cycle universitaire, je vous prie d'accepter ma démission à compter du 1er février. Soyons clairs, ce n'est pas vous qui avez écrit ça.
Écoutez, je sais combien les hommes peuvent être vindicatifs, alors si Livingstone a écrit ce mail ou s'il vous a convaincu de l'écrire, aucun souci. N'en tenons pas compte, enfin sauf si... J'ai vraiment beaucoup appris ici. J'en suis ravie. Mais j'aurais aimé savoir ce que j'aurais pu changer dans ma façon de faire. Rien du tout. Vous avez un magazine à diriger et c'est ce que vous devez faire. Quant à moi, je dois suivre ma voie. Je ne suis pas d'accord avec votre décision, mais j'admire vos convictions. Peu de personnes en ont. Alors gardez-les. Très bien. Kara. Foncez. Hé, hey, Kara. Tu vas me manquer ici. Tu vas me manquer toi aussi, madame la responsable éditoriale. Tiens, c'est pour toi. Merci. Je me suis trompé. Tu me rejoins dans notre café, Ben. J'avais peur que tu viennes pas. Mais je suis venue. Je sais que de simples excuses ne seront pas suffisantes. Ça ne te coûte rien d'essayer. Je suis vraiment, vraiment désolé. N'importe qui aurait réagi de la même façon. Non. J'aurais dû t'accorder les bénéfices du doute. Je verrai si je te pardonne ou pas quand je serai à l'université. J'y réfléchirai pendant mes heures de cours. Tu as accepté ? C'est super, félicitations. Quant à moi, j'aurai tout le temps de me faire pardonner. J'ai quitté mon entreprise aujourd'hui. Quoi ? Je comprends pas. C'est une longue histoire, mais... Depuis ce week-end à Clara Lake et ma rencontre avec toi, j'ai pris conscience qu'il était temps de prendre un nouveau départ. Waouh, et dire que j'ai hésité à quitter mon job alors même que c'était pas une entreprise que j'avais créée. Oh, tu sais, c'était déjà plus mon entreprise. Mais la prochaine, ce sera différent. J'ai hâte de voir ça. T'as déjà un nouveau projet ? Je sais pas trop encore. Mais certainement un casque qu'on peut porter avec une queue de cheval. Alors, t'es rentré dans la salle du conseil d'administration et t'as dit « je m'en vais ». Sans débiter de discours, sans communiqué de presse. J'avais apporté ça. Mais c'était simplement pour me souvenir. Te souvenir de quoi ? De ton aversion pour les marques vertes ? Non. D'une fille rencontrée par un beau week-end d'hiver. Qui m'a appris que certains risques valent la peine d'être pris. Tu veux bien faire un bout de route avec moi ? T'as vu qu'on est dans le rayon roman d'amour de la librairie ? Il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit que c'était un signe. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, les choses ont changé. Tu fais partie de ma vie.